qu'est-ce qu'il fait ici? Je t'ai pas invité, moi. Clairement, oui, tu représentes tout ce que j'aime. Mais lui, là, il perd pas du temps. Après, on va aller faire un petit crac-crac. Mais eux, ils ont pas chômé, hein. Hey, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de notre 30 Baby Challenge. Je suis trop contente de vous retrouver pour jouer avec cette famille. Franchement, elle m'avait trop manqué. Okay. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc, à l'épisode précédent, souvenez-vous, Bianca, elle avait accouché d'un petit bambin. Je ne sais plus si c'est une fille ou un garçon. Elle a accouché. Ensuite, on a pu déménager dans une nouvelle maison. Parce que, comme vous le savez, j'avais un problème avec ma save, tout ça, tout ça. Je ne vais pas réexpliquer. Si vous voulez les explications, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. C'est là où j'explique tout, pourquoi on est dans une nouvelle maison, tout simplement. Nous avons pu aussi améliorer les compétences de nos bambins et de nos enfants. Donc là, dans cet épisode, on va tout faire pour que nos enfants puissent avoir un A, pour terminer aussi leur projet scolaire, etc. Je pense qu'à cet épisode, il y aura des anniversaires par rapport au bambin. Bref, trêve de blabla, on se retrouve directement en jeu. Ça y est, nous nous retrouvons en jeu avec la famille Mason. Il a atteint le niveau 6 de la faculté motrice. Ben, c'est cool. Oh mon dieu, regardez l'hygiène de mon enfant. Attends, est-ce qu'ils ont fait leur devoir, les gosses, là? Il me semble qu'il y en avait un qui avait pas terminé son projet. Je crois c'est lui, non? Il devait terminer son projet. Vas-y, va terminer ton projet. Comme ça, c'est fait. Bianca aussi, elle va t'aider pour le projet. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Il n'y a pas de poubelle à Simflouz, hein? Elle, ses compétences. Mais ouais, elle pouvait grandir, ouais. Elle peut grandir. Mais écoute, ma biche, va faire le pot, là. Hein? Lui, il a atteint le niveau 7. Mais ils sont trop forts, mes enfants. Mais va aider ton fils à faire le truc, là. Il a atteint le niveau 6 de la faculté mente. Ensuite, après, il ira se laver et après il ira dormir parce que demain là, oh là là, ils vont être KO. Lui, il a envie de faire un petit pissou. Bah écoute, mon chéri, va dans les toilettes d'en haut. Oh, tu n'as toujours pas fini ton projet, toi là. Ah bah enfin, il a fini. Enfin. Allez, mets ça dans ton truc là et va faire ce que je t'ai demandé. Attends, c'est seulement maintenant que vous vous rencontrez? Ah, il faut partir à la maternelle là en fait, hein. Tu vas aller à l'école maternelle et toi aussi, tu vas aller à l'école maternelle. Comme ça, vous allez encore continuer à augmenter vos compétences. Ouais, mais vous le ferez après. Il faut que vous allez dormir, les enfants. Là, vous allez être très fatigués demain. Toi, va dormir dans ton lit. Et toi aussi, va dormir dans ton lit. Maman, elle a plein de trucs à faire. Elle doit faire le ménage. Et on avait un contrat, je crois, hein. Et j'avais oublié. On est quel jour? On est mardi. Hein, ça va, on a le temps. Donc, eux, ils vont à l'école. Oh mon dieu, il fait noir. Regardez, c'est quelle mère qui envoie ses enfants à la maternelle comme ça. Quelle mère indigne, Bianca. Marina va à la maternelle, c'est cool. Et Christian aussi va à la maternelle. Il est 6h presque 30 du matin. Non, attends. On va l'embrasser sur le front. Je pense que là, il a faim. Donc, soin du bébé, nourrir, allaiter. Oh, ça suffit, mon bébé. C'est bon. D'accord? Ne pleure plus. Et on va le dodoliner. Ensuite, après, elle ira faire un petit pissou. Attends, on est en combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, on a de la place encore pour deux bébés. Et j'espère qu'ils ont fini leur devoir, hein. Attends, moi, j'ai même pas vérifié. Là, normalement, ils vont avoir un B là, parce qu'ils ont terminé leur projet et tout. Attends, mon chéri, on va te changer la petite couche sale. Ensuite, après, tu vas aller faire un petit pipi, comme je t'ai dit. Oh, c'est trop mignon. Allez, va faire un petit pissou. Ensuite, après, je pense qu'elle va fouiller les poches et après elle va faire la lessive. Commencer une nouvelle relation. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète, c'est dans les projets. D'ailleurs, je vais aller voir les papas que vous m'avez créés dans la galerie. J'espère, les gars, que vous m'avez créé des papas. Pourquoi m'afficher? Donc, hashtag Suzy30Baby. Et il y a seulement eu deux. Les gars, vous êtes sérieux là? Vous m'avez posé à la porte, je vous ai dit de créer des papas pour que voilà les papas soient un peu plus stylés et tout ça. Et là, vous me posez des lapins. Il y a seulement deux personnes qui m'ont créé des papas. Nous avons Sanchez qui vient de Yonkos. Merci à toi si tu passes par là. Merci de m'avoir créé ton papa. En tout cas, il est super beau, il est canon. Et nous avons Or1308. Merci à toi d'avoir pris ton temps de me créer un papa. Non mais les gars, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de me créer des papas. Je vous ai mis toutes les restrictions que vous deviez respecter dans la barre d'infos. Il n'y a pas grand chose. Créez-moi des papas, s'il vous plaît, avec le hashtag Suzy30Baby, s'il vous plaît, les gars. Hé, hey, faut vous lever, hein, c'est l'heure d'aller à l'école. Et puis quoi encore? Levez-vous! Regarde-moi ces enfants-là. Celui a une dent qui bouge, il devrait la perdre bientôt, faire bouger davantage la dent et se brosser les dents peut accélérer le processus. Ok, c'est cool. Bonne journée, mes garçons. Travaillez super bien à l'école. Je vous fais confiance. La compagnie Plenosas a coupé l'électricité, mais depuis quand on doit de l'argent? Visite du directeur. Aujourd'hui, le directeur visite la classe de Sully.
Derry, tout le monde doit se comporter le mieux possible et ne pas interrompre le cours. Malheureusement, l'élève Derry, Sully, a décidé de lui jeter des trucs dans le dos. Doit-il l'ignorer ou lui demander d'arrêter? Bah, tu vas l'ignorer tout simplement, mon fils. Moi, j'ai pas envie que t'aies une mauvaise note. Sully garde consciencieusement les yeux sur le tableau en espérant. Au lieu de cela, l'élève l'envoie une boule de papier tellement fort qu'elle atterrit sur les pieds de l'instituteur. Pour une fois, c'est quelqu'un d'autre qui est dans le pétrin et Sully a le rôle de l'élève innocent et studieux. Bravo, mon fils! C'est cool. Mes enfants, ils évoluent. C'est trop bien. Ah oui, on nous a coupé l'électricité. Mais comment on va faire pour faire le contrat, là? 1080 sinclouses. Mais ces gens-là, ils jouent avec nous? Ah, mais non! Je suis pas d'accord, en fait. Lui, il a quoi encore? Maîtresse est méchante. La journée de Christian ne s'est pas bien passée. Oh, mon beau Dieu. Non, mais ils sont pas sérieux. Mais qu'est-ce qu'on pourrait enlever, là, pour faire mes sinclouses sérieux? Je crois qu'on va enlever le barbecue, hein. Oh là là, même avec le barbecue, on n'a pas assez. Oh my god. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre, là, pour pouvoir payer nos factures? J'ai pas envie de vendre mes trucs, sérieux. Bon, ça, pour le moment, ça va être fixé ici. Me dis pas que j'ai perdu ma vache. Ah, ça, c'était notre cuisinière qu'on avait eue, là, dans la benne à ordures. Bah, écoutez, moi, je vais le vendre, hein. Moi, j'ai besoin d'argent. Je vais juste remettre mon barbecue qu'il y avait, là. Il était là, comme ça. Je vais pouvoir aller payer mes factures pour continuer à faire mon contrat. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Ça y est, c'est bon? T'as réglé les factures? Oh, c'est bon, on a pu régler nos factures. Oh là là, je suis trop contente. Mon Dieu, que ça fait du bien. Oh là là. Lui, ses compétences, là, c'était à combien, là? Il lui manquait, le pot. Donc, il va aller faire le pot tout seul, hein. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Je vais attendre que les plus grands rentrent de l'école et après, je les ferai grandir. Oh là là, on aura 4 enfants. Bon, ben, du coup, j'attends que un des papas, que les deux personnes que j'ai citées un peu plus haut passent dans les alentours pour que je puisse les croiser, quoi, tout simplement. C'est bientôt l'anniversaire de Marina. Mais de toute façon, on va la faire grandir à cet épisode, on s'en fout. Apparemment, les roses, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, on va planter ça. Je peux en planter une juste ici. Ah, mais c'est cool, franchement, c'est bien qu'on n'ait pas. Quoi, Jackie, tu puisses souhaiter. Oui, si tu veux, comme ça, tu vas t'occuper de tes enfants. Pourquoi tu peux pas planter? Mais lui, là, qu'est-ce qu'il veut? Va faire le pot, je t'ai dit. Je me demande si c'est pas le buisson qui gêne, là. Attendez. C'est bon, elle a fini de planter ses petites. Ah oui, c'était ça. Tout le monde ne parle que d'une fête d'anniversaire à laquelle Saya n'a pas été invitée. Il croyait pourtant que l'autre était son ami et a du mal à comprendre. Doit-il parler à son ami ou laisser tomber? Bah écoute, moi je vais laisser tomber. Non mais c'est bon toi. Va étudier les formes, c'est bon. Ah, il veut qu'on lui change la couche? Lui là, on va le faire venir. Oh mon Dieu, il a faim. Oh là là, j'en peux plus de ce gosse. Il a tout le temps faim. Et le papa là, il peut pas s'occuper de son enfant là. Les notes sont en hausse. Et les notes sont en hausse. Oui, ils ont eu un B mes enfants. Oh là là, je suis trop content. Yes. Oh, il a perdu sa dent. Ah non, ils ont pas encore perdu. Lui là, il est vraiment en PLS. Je crois qu'il va aller dormir le pauvre. Oh, lui aussi, il est en PLS. Avant d'aller dormir, va regarder. Va plutôt jouer à Blick Block. Mais qu'est-ce qu'il veut encore ce gosse là? J'en ai marre de lui, hein. Tu me laisses tranquille, je dois ranger ma maison. Qui m'a cassé la maison de poupée là? Mais ses enfants, vraiment, ils sont timbrés. Bon là, lui, il est parti se coucher parce qu'il est fatigué. Lui, il s'amuse encore un petit peu. Après, il ira aussi se coucher. Et quand ils vont se réveiller, ils vont faire directement leurs devoirs. C'est bon là, tu vas mieux? Voilà, répare ma biche. Elle va aller préparer les gâteaux pour les bambins parce qu'ils vont grandir là. On fouille les poches et on met à la machine. Ensuite, après, elle va aller faire le gâteau pour ses enfants là. Bon, il n'y a pas un petit gâteau au chocolat là? Ah si, il y a un petit gâteau au chocolat. Mais est-ce qu'on a... Mais je crois qu'on a déjà un gâteau, non, dans le frigo? Non, on n'a pas de gâteau. Ah si, mais on a un gâteau là. Voilà, et après, elle va venir aider à souffler les bougies. Attends. Est-ce que lui, il a fait ce que je lui ai demandé? Il a même pas encore fini, mais... Eh, mon Dieu, elle a quand même fait le gâteau. Je dois y aller, c'était sympa. En fait, t'as rien foutu. T'as juste parlé avec mes enfants et puis c'est tout. Oh mon Dieu, en fait, là, il faudra acheter des lits encore. Mais ouais, il faudra acheter carrément des lits là. Je pense que ça, je vais le virer. Oh mon Dieu, je sais pas comment je vais faire. Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu pars pas dormir, hein. Ça va pas ou quoi, toi? Si, dépêche-toi, mais son pot là, ça n'avance pas, lui là. Ok, bon, je vais la laisser dormir un petit peu. Attends. Est-ce qu'on a assez pour des points de satisfaction? Bon, et puis après, tu vas aller faire grandir déjà ta fille. Enfin, mes enfants ils vont pouvoir grandir. Allez, on va aller souffler les bougies. Mais attends, moi je veux voir. Oui, elle a soufflé ses bougies. Je suis trop contente. S'il te plaît, Bianca, viens rajouter des bougies d'anniversaire. Marina a vieilli. Donc, elle est 2 en faculté motrice, 1 en faculté mentale, 2 en créativité et 2 en social. Bon, allez, je regarde pas. 1, 2, 3. Elle va être amatrice d'art. Bah, je vais la mettre dans la créativité. Elle est trop chou. Elle est trop chou. Elle est trop mignonne. Je l'adore. Non, mon fils, tu te réveilles là, s'il te plaît. Réveille-toi parce que tu dois grandir. Et aider à souffler les bougies à Christian. Oh là 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 là. On va faire le relou. Je vous dis pas comment ils vont être trop beaux, ces enfants-là. Ah, elle, directement, elle va manger. Raclette.
aider à satisfaire les besoins. Ouais, pourquoi pas. Allez, souffle mon fils. Souffle, souffle. Oui. Oh, il est trop mignon. Il y a toujours des machines à faire, hein, sérieux. Lui, là, c'est quand son anniversaire? Mais c'est son anniversaire aujourd'hui. Ben, on le fait grandir. Ah. Mais oui, tu m'étonnes que t'es triste. Ses enfants, je sais pas. Christian AVI, ok, il est curieux. Donc, il est 2 en motricité, 1 en mental, 2 en créativité et 2 en social. 1, 2, 3. Il va être extraverti. Ok, ben, je vais le mettre social. Il ressemble à quoi, cet enfant-là? Je veux voir sa tête. Regardez à quoi il ressemble, mais il est trop chou. Je crois que c'est... Hein? Ah ouais, Simba a grandi, ouais, on l'avait fait grandir. Quel trait de caractère il va avoir? 1, 2, 3. Il va être remuant. Simba! Mais il est trop beau. Il est trop trop beau, cet enfant. Mais regardez comme il est trop kiki. Là, ça gérerait de savoir comment on fait pour les lits. Déjà, Bianca, avant d'aller aux toilettes, tu vas venir me mettre des bougies d'anniversaire, s'il te plaît. Et après, tu vas aller ranger ça. Déjà, ça, on le vire, ça nous fait de l'argent. Ça, on peut le déplacer ici. Ça, je le déplace ici en attendant. Bon, en lit superposé, là, on a quoi, là? Je pense que je vais prendre le même ici, hein. Je vais pas me compliquer la vie. Ou au pire des cas, vous savez ce que je vais faire? Voilà. Maintenant, moi, j'en veux un rose pour ma fifi. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, ça, on va le mettre là, comme ça. Ok. Ensuite, je pense que ça, c'est quoi? Une lanterne? Ben, on va le mettre là, alors. Ensuite, ça, on va le mettre ici, comme ça. Ça ne fait pas vide, quoi. Bref, pour le moment, ici, ça va rester un petit peu vide. Au moins, pardon, ils ont leur truc pour pouvoir dormir, voilà, donc ils sont plutôt bien. Je voulais mettre des petites décorations au mur, voilà, une petite baleine. Ça suffit, non? Voilà, je pense que c'est bon. On est plutôt pas mal, là. Ensuite, après, elle va encore fouiller les poches et aller mettre ça dans la machine à laver. Elle, on va lui attribuer son lit. En fait, mais toi, sors de l'eau. Ça va pas ou quoi, toi? Tu veux mourir? Mais c'est quoi cet enfant? Va dormir, là. Ces enfants, je sais. Bon, je pense qu'on va draguer demain. C'est mieux. Parce que là, eux, ils ont cours quand, eux? Dans 11h? Ah, mais c'est cool, ça. Bah, écoutez, commencez vos devoirs. Mais pourquoi tu restes en serviette? Tu peux pas te changer? Hé, j'avoue plus que j'avais un nourrisson, oh my god. Bref, elle va mettre cette tenue après. Il est où, mon bébé? Oh, oui, je suis désolée, mon bébé. Je t'ai oublié. Attends, on va vendre le landau, là. Non, mais je suis une folle, hein. J'ai oublié mon enfant. Je suis une grosse folle. Spécificité révélée. Il est un dormeur câlin. Donc, ça veut dire qu'en fait, il veut qu'on le porte quand il dort. Ah, c'est Marina. Elle a atteint le niveau 2 de la compétence mentale. Oh, regardez-moi comment il est trop kiki, cet enfant. Mais pourquoi tu t'assois pas pour manger, Bianca? Sérieux, t'as acheté des chaise pourquoi? Ensuite, après, tu vas demander à ta maman de te mettre au lit. Pourquoi lui, il est réveillé? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il veut aller aux toilettes. Ok. Ben, tant mieux. Comme ça, après, tu vas te réveiller. Tu vas aller faire tes devoirs, pardon. Tu vas prendre des restes, mon chéri. Toi, il faut te réveiller aussi parce qu'il faut que tu fasses tes devoirs. Tu peux te dépêcher, Bianca, s'il te plaît. Dans cette famille, je sais pas, ils ont tous envie d'aller aux toilettes. Voilà, ils sont en train de faire leurs devoirs. Ils sont trop mignons. Et toi, tu fais quoi? T'es en train de manger. Tu vas venir aussi faire tes devoirs, mon chéri. Ah, mais il est trop mal à l'aise. Oh my god. En plus, regardez, il mange son journal intime. Bref, mes cocos, je pense qu'on va aller pour le relooking parce que là, j'en peux plus. On se retrouve dans le CUS. Ça y est, mes cocos, nous sommes dans le CUS. Donc, je les ai relookés de mon côté. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Nous allons commencer par notre petite Marina. Donc, voici à quoi elle ressemble maintenant. N'est-elle pas trop mignonne, genre? Donc, voici Marina en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, en tenue de sommeil, en tenue de fête, en tenue de maillot de bain, en tenue temps chaud et en tenue temps froid. Nous allons passer maintenant à son frère Christian. Alors voici Christian dans sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Nous passons maintenant au petit Simba. Donc voici Simba en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de dodo, en tenue de fête, en tenue temps chaud et en tenue temps froid. On a fini pour les relookings. Donc Marina, elle a fini de faire ses devoirs. Qu'est-ce qu'il veut lui? Mais fais dodo. C'est bon mon chéri, t'inquiète pas, ça va aller. Maman elle est là, elle s'occupe de toi. Oh mais il veut pas se calmer. Bon écoute, tu sais quoi, on va faire pipi Bianca parce que c'est bon. Ah ben enfin il se calme. Mais il est trop beau les gens, regardez comment il est trop chou. Elle est partie nettoyer l'assiette que je lui ai dit
venir. Ah, mais j'ai oublié d'installer leur maison de poupée là. On va faire avec les moyens de bord, ils vont venir jouer dehors. Lui, il a toujours pas fini ses devoirs. Est-ce que lui là, il. Bah oui, mais t'as fini ton bain. Après, tu vas aller faire tes devoirs, mon chéri. Non, mais toi aussi, Bianca, tu nettoies alors que ton fils il fait ses devoirs. Bah, tu sais quoi, aide-le à faire ses devoirs. Comme ça, c'est fait, ça ira plus vite. Pourquoi il reste en serviette, les Sims? Je comprends pas. Changer de tenue. Sully a fini ses devoirs, c'est cool. Ah, mais je crois qu'il peut encore refaire. Ah, mais non, mais ils auront pas le temps. Bah écoute, tu sais quoi, il va faire du travail supplémentaire. Ah, mais non, mais attends, il va aller faire pipi d'abord, le pauvre. Il va faire pipi et en plus, il a faim. Oh là là, il va prendre des restes. Hein. Votre maman, elle est là, elle va vous aider. Tiens, aide ton fils en attendant. Ensuite, après, tu vas venir essuyer ça. Tu vas aussi fouiller les poches et tu vas mettre dans le lave-linge. Après ça, tu vas venir astiquer. Ça aussi, tu vas venir fouiller les poches. Oh là là, il y a encore des monstres. Bon, débrouillez-vous là, moi je suis occupée. Hein. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. En fait, je crois qu'il y a un truc qui dérange dans la chambre des nourrissons. Je vais pas les jouer par hasard. Ça, je les mets là en attendant. Pourquoi j'ai ça en lévitation là? Je vais le vendre. Hein. Ça me fait de l'argent en plus. Là, normalement, elle devrait pouvoir fouiller et mettre dans le lave-linge. Oh, regardez comme ils sont trop mignons. Ils sont en train de parler entre frères. Votre anniversaire, c'est la semaine prochaine. Ok, donc on a le temps de vous faire grandir. Donc après, ça veut dire qu'ils vont devenir des ados. J'ai trop hâte. Comme ça, ils vont pouvoir nous aider là. Parce que, hein. Bon, écoutez, c'est pas grave. Elle va laver le linge. Comme ça, c'est fait. On va vaporiser le monstre sous le lit là. Non, mais ils vont être super fatigués demain. Sully, après, tu vas aller prendre une petite douche rapide. Tu vas aller te coucher dans ton lit. Il a fini son travail supplémentaire. Non, mais toi, tu vas pas aller regarder la télé. Hein. Viens là, finir ton virus là. On a besoin d'argent. La meuf, elle pense seulement à regarder la télé. Continue à créer un virus. Allez. Hein? Mais attends, ok. Bah, on va aller prendre un autre contrat alors. Bon, moi, je veux un contrat qui rapporte bonbon là. A priori, c'est ça. Donc, il faut discuter avec le client. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Toi, c'est bon là. Le monstre, il est parti. Il arrête de saouler, non? Il n'y a plus de monstre. Il voit des esprits, cet enfant. Voilà. Elle va profiter aussi pour créer déjà une page. Pourquoi elle a mis la musique? Il fallait que celui-ci se réveille. Je crois qu'il a faim. Donc, on va lui donner son petit repas. Spécificité révélée, il est ballonné. Oh, mais non, mais il est chiant. Tout le temps ballonné, tout le temps je sais pas quoi. Voilà, tu vas le nourrir. Et attends, je vais regarder déjà ses besoins. Ouais, il a faim. Et puis après, je pense que tu vas le poser sur le tapis. Il va commencer à jouer avec les petits trucs là. Ah là là, c'est tellement mignon cette interaction, les gars. Je fonds. Aujourd'hui, là, il faut qu'on drague. D'ailleurs, j'ai oublié d'installer les deux papas sur un terrain. Voilà, mon chéri. Ah, mais non, mais non, 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 non. Regardez les jouets, voilà. Tu regardes tes jouets. Ensuite, nous, on va continuer à faire notre contrat là. Mais ma chérie, il faut que tu dormes là. Tu vas être très fatiguée demain. Hein. C'est bientôt l'heure. Bon, en fait, ça sert à rien. Va manger des céréales. Tes frères, en fait, ils vont se lever. Ils vont aussi manger des céréales. Et toi, tu t'en sors là avec tes trucs. Oh, c'est super ça. Et table tendre les bras débloqués. Tiens, donc Simba a commencé à tendre ses petits bras pour atteindre les objets à proximité. Je suis fière de toi. Bah, écoute, tu vas continuer à améliorer tes petites compétences là. Ah, aujourd'hui, c'est la journée de la créativité. Il faut faire des jeux, il faut cuisiner, il faut faire de la musique et il faut raconter des histoires. On fera ça un peu plus tard dans la vidéo. Tu vas essayer de faire dodo. Eh, mais c'est l'heure là, les garçons. Partez à l'école. Et j'espère qu'il va pouvoir aller aux toilettes à l'école, hein, parce que sinon c'est chaud pour lui là. Christian a amélioré sa compétence mentale. On va prendre et emmener le linge et puis après on va sécher les autres habits. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire à manger? Qu'est-ce qu'elle pourrait cuisiner comme repas? On va faire une soupe aux boulettes de matzo. Tu t'en sors, ma puce? Là, là, il faut qu'on drague pour que au moins à l'épisode prochain, ben, on puisse tomber enceinte. Le courrier a été distribué. Donnez un nom à cette page de site web. L'amour vrai. Vedette débutante? Ok, d'accord. Elle commence à être connue, notre petite Bianca, là. Voilà, elle a fait son petit linge. Là, elle va aller cuisiner. Non, mais par contre, les enfants, hein, vous abusez quand même. Vous donnez du travail à maman, là. Mais en fait, ils peuvent grave grandir, eux, là. Mais faut qu'ils aient un A, en fait. Elle, elle est bientôt 3 en motrice. Ça, c'est cool. Ça, elle est bientôt 3 aussi en faculté sociale et bientôt 3 en faculté mentale. Mademoiselle, tu mettras ça après dans le frigo. Après, j'ai bien envie qu'elle se tire le lait en fait. J'ai bien envie de voir ce que ça fait. Lui, là, il commence à vouloir faire popo là. Quand tu vas te réveiller, après, on va te changer la couche. Oh, franchement, quand je vous dis mes enfants, ils sont super intelligents. Regardez! Ils sont trop intelligents, mes enfants. Je suis trop fière. Mais elle-même aussi, elle le range pas. C'est bon, t'as mis dans le lave-linge. Après, tu vas nettoyer le filtre et tu vas sécher le linge. Oh, il a eu sa première fuite. Sayan a atteint le niveau 3 de la compétence logique. On va changer la couche de Simba après. Christian a atteint le niveau 3 de la compétence motrice. Après, on va venir ici. On va lui donner un petit bain à Simba. Ah, oh, c'est comme ça qu'elle se tire le lait. Ah, oh, mais c'est trop bien. Non, mais quand je vous dis, mes enfants, ils sont super intelligents. Non, mais je t'avais dit de le changer d'abord. Bon, c'est pas grave. Non, moi, je veux que tu le changes.
change. Et ensuite, après, tu lui donneras un bain, ma biche. Allez, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Tu prends trop de temps. Christian a atteint le niveau 3 de la faculté mentale. Si c'est ce que je pense, ils vont grandir à cet épisode. Oh my god, on aura nos premiers ados. Ouh là là. Mais tu fais quoi? Va t'occuper de ton... Non, donne pas un bain. Moi, je veux que tu lui changes la couche. Change la couche à Simba, s'il te plaît. Oh. Ah, là, on commence à avoir de la poussière. Faut qu'on fasse le balai, là. Voilà, change la couche, s'il te plaît. Ben oui, hein. Tu pues du cul, mon fils. Ah, en plus, il rigole. Regarde comment il est trop chou. Il est trop mignon, il est trop mignon. Non, pleure pas, pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas, mon cher. Voilà, tu lui donneras son petit bain juste après. Étape, faire pipi sur un de ses gardiens et débloquer. Eh ben, oh, mais franchement, regardez. Les compétences de mes enfants, ça augmente à vue d'œil. Je suis trop, trop contente. Et en plus, c'est même pas un mode. Hein. C'est vraiment parce que, voilà, ils sont intelligents. Voilà, elle va lui donner son petit bain à mon fils. Regardez comment il est trop mignon. Il est trop chou. Oh. En tout cas, c'est trop, trop, trop mignon ce qu'ils font, franchement. Moi, j'aime trop cette petite interaction. Ils sont trop mignons. Je pense vraiment que les jumeaux, ils vont grandir. Ils vont devenir adolescents à cet épisode. Donc, j'attends simplement qu'ils aient un A. Ah ben, regardez. Quand on parle du loup, voilà, il a eu un A. Ça, c'est Sayan. Et lui, c'est Souli. Donc, ils ont tous les deux eu un A. Donc, en gros, ils vont grandir à cet épisode. C'est trop, trop bien. Et elle, je crois, elle a une note de B. Ça, c'est bien. Et lui, il a une note de C. Ok, non, mais désolé, Jonathan. Je peux pas te capter là pour le moment. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Tu vas où avec mon fils là? Nourris-le. Spécificité révélée, il a souvent le ok. Ok, d'accord. Voilà. Va directement aller le mettre dans son lit. C'est bon, là, il a mangé, là. Laisse-le aller dormir. Ah oui, les gars, comme j'avais oublié de vous dire, en amont, j'ai créé un groupe où je vais mettre des papas. Bon, je suis partie piocher dans la galerie parce que là, franchement, ça fait pitié. Les gars, franchement, je vous retiens. On m'a posé un lapin, là. Moi, je vous retiens. Comme ça, on va faire connaissance avec eux. Et au fur et à mesure, on rajoutera un papa pour que, ben, ça se passe bien, quoi. Donc, les exigences de groupe, il faut s'embrasser, il faut être romantique. Il faut faire crac-crac ensemble et il faut être drôle. J'ai peur que si je le laisse, il soit à la garderie. Je crois qu'il a pas le droit d'aller à la garderie, hein, il me semble. Hein. On va partir vers 19h, le temps que Bianca puisse dormir un petit peu. Allez, fais dodo, mon fils. Au pire des cas, je fais grandir les grands et comme ça, le petit va rester avec eux. On va mettre le gâteau ici. Souli, il va venir souffler ses bougies. Je re-regarde encore s'ils ont bien les compétences à jour. Là, ici, ils sont bien. Ouais, franchement, c'est large. Hein. Donc, il va venir souffler ses bougies. Comme ça, voilà, on aura nos premiers ados à cette épisode. Oh mon dieu, la maison elle tombe en ruine. Voilà, souffle mon fils, souffle, souffle, souffle. Puis après il va réajouter des bougies là. Là il va aller grandir dehors. Je comprends pas pourquoi ils grandissent dehors alors qu'il y a la place en fait pour qu'ils puissent grandir. Bon, tu sais quoi, rajoute des bougies toi. Hein. Souli a vieilli. Yes. Souli a gagné un trait bonus. Il va être 1, 2, 3. Donc je vais le mettre dans ado. Je pense qu'il en fait des tonnes. Voilà. Allez, toi aussi tu vas mettre des bougies et puis après tu vas souffler le gâteau. Oh là là, j'ai trop hâte. De voir à quoi il ressemble. Oui, si tu veux, tu peux passer du temps ici avec tes enfants. Ça me dérange pas. Oui, il a soufflé. Il va aller grandir. Et toi, rajouter des bougies d'anniversaire. Et toi, tu viens réparer ceci après. Mais ça va, il est beau gosse quand même. Sayan a vieilli. Donc lui, il a pas eu de points bonus. Ok, il va être 1, 2, 3. Il va aimer les animaux. Les chats, pardon. Donc je vais les mettre dans les animaux. Voilà, c'est fait. Ouh là 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 là. Et le gâteau est gâté. Oh. Il est bientôt 18h. Elle est partie se reposer parce qu'elle est fatiguée. Non, après, tu iras faire un petit pissou. Tu iras prendre ta. Oh, mais t'aurais pu dormir et après, t'allais faire tes affaires, non? Tu vas après faire tes devoirs. Oh, regardez, elle a fait un petit dessin. Je vais le mettre juste là. Voilà, comme ça, ça fait joli. Lui aussi, il a des dessins. Oh, où est-ce que je pourrais mettre ça? Ben, je vais le mettre là, écoutez. Après, lui aussi va aller faire ses devoirs. Pendant que tu y es, s'il te plaît, mon fils, essuie. Ça, ça fait toujours de l'argent. Ça aussi, ça aussi. Ah, mais non, zut, je me suis trompée. J'ai vendu son cahier au lieu de vendre le cahier de l'école, des primaires, là. Ouais, c'est pareil, on va lui en racheter un. Donc, lui, il a décidé de faire ses devoirs dehors. Non, je t'ai dit, tu fais tes devoirs. Fais tes devoirs. Du coup, il n'y a pas une bibliothèque, là, que je puisse utiliser, là. Christian a terminé ses devoirs. Les devoirs, voilà. Voilà, hop. Comme ça, c'est fait aussi. Et après, tu vas aller faire tes devoirs. Mais pourquoi ils se mettent en tenue de serviette de bain, là? Moi, ça m'énerve, moi. Moi, j'aime pas comme ça. Tu sais quoi? Tu vas aider ta petite soeur. Hé, Bianca, faut t'élever, oh, faut t'élever. On y va, hein. Bon, les grands, vous gérez votre petit frère, hein. Moi, je m'en vais, j'ai des choses à faire. Donc, voilà, je les ai placés ici. Donc, il y a des papas qui viennent de la galerie. Bref, on y va seulement, je vais vous montrer. Ça y est, on est arrivé chez les papas. Je vais mettre pause. Donc, déjà, on va lui dire bonjour. Présentation amicale. Donc, voilà, on va se présenter à tous les papas, là. Et en plus, ils sont vraiment beaux, stylés et tout. Mais qu'est-ce que tu lui racontes?
comme ça au gars là pour que tu adoptes cette voix. Non, c'est bon, arrête de parler avec lui, c'est bon, on a compris. Faut aller te présenter aux autres. Hé, mais lui là, qu'est-ce qu'il fait ici? Je t'ai pas invité moi. Mais c'est un timbré lui, monsieur ou quoi? Voilà, dis bonjour à tes papas là, fais vite parce que le temps passe, hein. Il est déjà 20h, bientôt 21h. Présentation amicale. Voilà, on se présente à tout le monde. D'ailleurs, la maison, c'est pas moi qui l'ai créée, ça vient de la save de NS. Présentation amicale, lui on s'est déjà présenté, lui non, pas encore. Lui là, je pense pas qu'on s'est présenté à lui, hein. Présentation amicale, voilà. Allez Bianca, dépêche-toi, tu prends tellement de temps là. Là dans cet épisode, faut qu'on tombe enceinte, là je suis désolée, hein. Je pense que là il y a tous les papas, hein. 5, 6, 7, 8. Oui c'est bon. Maintenant, il s'agirait de savoir qui je vais prendre. Et en plus, ils sont tous beaux, c'est ça le truc. Lui là, il me tente bien. Lui aussi, il me tente bien. Mais j'ai bien envie d'essayer avec Caden. On va commencer une réunion. On ne perd pas de temps. Faut qu'on tombe enceinte là. Là, je vais tout faire pour qu'on puisse tomber enceinte. Déjà, de une, on va flirter. On va lui demander si on lui plaît déjà. Non, mais toi, est-ce que tu peux pas partir? Clairement, oui. Tu représentes tout ce que j'aime. Mais lui là, il perd pas du temps. Et je suis choquée. On va échanger les numéros de téléphone. Espérons qu'il accepte. On va embrasser le coup. Mais généralement, ils acceptent. Ils refusent pas. Envoyer un baiser. Voilà, on le drague. Est-ce qu'il va accepter? J'espère qu'il va pas nous regaler. Oh oui, il accepte. C'est trop bien. On va lui proposer de faire crac-crac. Oh, Seigneur Jésus. J'arrête. Il a refusé. Bon, écoutez, vous savez quoi, on va directement faire crac-crac, on va pas perdre notre temps. Hein, ça, par contre, tu refuses pas, hein. Hé, il y a eu un mois, là. Bref, on s'en fout. Ah là 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 là. Si les enfants savaient ce que leur maman était en train de faire. Moi, je sors pas de la maison si tant que Caden m'a pas mis enceinte. Moi, je dis où. Oh, regardez comment ils sont trop mignons. Ils sont trop choux. Ils sont trop choux. Hé, hey, madame, faut aller te laver. Crac-crac non protégé. Ok. Non, mais franchement, les papas que j'ai choisis, ils sont tellement beaux. Ils sont magnifiques. J'adore. Allez, dépêche-toi un petit peu là. Est-ce qu'elle est enceinte? J'ai trop peur. Ah, elle m'a pas l'air enceinte là. Hé, hey, non, elle est pas enceinte. Il est où le papa là? Il est où? Hé, hey, Caden, je sais pas qui là. Je t'ai dit que tant que tu me fais pas tomber enceinte, je vais rester ici. Même s'il faut rester jusqu'à 3h du matin. Je vais rester. On va aller prendre une tasse de café comme ça, voilà, on sera bien. Oh, ils sont trop choux, regardez-les un petit peu là. T'imagines, elle va coucher avec tous ses papas là. Non, oh, ils sont trop mignons, ils iraient trop bien ensemble, hein, je vous jure. Ah, il est romantique lui aussi, oh, ça tombe très bien, comme ça, ça nous arrange. Après, on va aller faire un petit crac-crac. Oh, ils y vont directement comme... Eh, mais eux, ils ont pas chômé, hein. Directement, ils y vont. Non, mais là, j'espère qu'il va nous mettre enceinte quand même au moins. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle est enceinte, les gars. Ah là là. Oula, ça m'a l'air d'être... Hein? Oh les gars, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était mon enfant qui a été adopté. Faire un test de grossesse. J'ai eu la peur de ma vie, les gars. Oh my god. Tu vas aller prendre une boisson après parce que là... Moi, je vous ai dit, je quitte pas l'épisode tant que je suis pas enceinte. Et en plus, elle a très faim. Bah écoute, on va aller manger là. Elle s'est mise en pyjama, quoi. Elle se croit tout permis, Bianca. Hein. Oh, mais elle est pas enceinte. Mais il tire à blanc ou quoi, lui, là? Non, mais te lave pas les mains. C'est bon. Arrête de me saouler. C'est bon. Bianca, tu me saoules. T'es stérile ou quoi? Franchement, ça m'énerve, hein. Tu vas retenter, là. J'en ai rien à faire. Il est où, lui, là? Bah écoute, tu vas manger aussi un petit bout. Et puis après, tu vas aller faire crac-crac de nouveau avec lui, hein. Parce que là, j'y pépé, là, en fait, hein. Bah écoute, on va lui demander d'être le petit ami. Peut-être que ça va arranger les choses. Il veut pas? Quoi? Changer de trait de caractère. Bianca n'arrive pas à y croire, elle est amoureuse et a très envie de s'engager et d'être fidèle. Non, non, tu peux pas. Il a refusé d'être mon petit ami. Il a refusé. Bon, essayez d'avoir un bébé. On va faire comme ça. On va la laisser dormir un petit peu. Comme ça, ça augmente son sommeil là. Parce que sinon, votre goal, elle me saoule. Allez, allez, Bianca. Je sais que t'es fatiguée, mais allez, meuf. Faut tomber enceinte là. Là, faut tomber enceinte. Allez, on n'a pas que ça à faire. Dépêche-toi. Tu peux y arriver, ma chérie. Je sais, je crois en toi. Eh, il veut plus. Il veut plus. Il est serré là. Il m'a recalé. On va refaire crac-crac dans la douche. J'en ai rien à faire. Ou sinon, on change de papa, hein. Je suis désolée, hein. Mais là, ce papa, il tire à blanc, là, quoi. Ah, mais vas-y, va te faire voir, toi, là. C'est bon, il m'a saoulée. Elle a gagné un point de notoriété et elle a eu une spécificité de ne me toucher pas. Non, mais partenariat avec des entreprises, ça, c'est bien, ça, pour avoir de l'argent. Donc, c'est top, on va prendre ça. On va l'enlacer. Ah, mais je vous ai dit, on va passer la journée ici, hein. Oh, mais pourquoi il me refuse? Eh, mais c'est bon, il m'a saoulée. Je vais rajouter un autre papa, là, parce que là, c'est bon. Bah, écoutez, je vais prendre Romain. Allez, c'est bon, hein. Il m'a saoulée.
tomber ce vieux mec là. Oui, c'est cool. Il accepte. S'il te plaît, fais-moi tomber directement enceinte. S'il te plaît. Oh. Non, mais franchement, s'il nous fait pas tomber enceinte. Hi, mes enfants, il faut que je rentre à la maison. Eh, hey, il faut que je rentre à la maison. Et j'avoue, il faut qu'ils aillent à l'école. Fais ton test de grossesse. Et puis après, c'est bon, tu pars. Ah, je pense pas qu'elle est enceinte. Hein. Oh là là, elle est pas enceinte. Oh, je la déteste. Je la déteste. Non, non, attends, toi. Tu vas te réveiller, oui. Allez, de nouveau, on va faire crac-crac. J'en ai rien à faire. S'il te plaît, fais crac-crac. Il est parti dans la même chambre que Kayden. Oh là là. Non, on va aller tout seul. Va faire crac-crac dans la douche avec elle. Allez, vite, 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 vite. En plus, la pauvre, elle est fatiguée. Elle est là. S'il te plaît, dis-moi que je suis enceinte. J'en ai marre. Je peux avoir des points de satisfaction de groupe. Donc, ça, hop, je le rajoute. Allez, fais vite le test de grossesse. Après, on rentre. S'il te plaît, dis-moi que je suis enceinte. J'en peux plus. Elle est pas enceinte, les gars. Bianca, elle est stérile, quoi. Non mais ça c'est un rire nerveux que j'ai là. Bianca elle est stérile ou quoi? C'est pas possible. Oh là là, j'ai trop la rage. Non, je m'en fous, ils vont continuer jusqu'à fatiguer hein. Là je m'en fous. Là cet épisode là, il faut que je tombe enceinte, je suis désolée. Bon après on va rentrer parce que là ça me saoule là déjà. Allez Bianca s'il te plaît, je t'en supplie, tombe enceinte. Elle atteint le niveau 4 de la faculté mentale. Non, fais un test de grossesse. Bon je pense qu'on va rentrer là parce que là je commence à en avoir marre. Puis tant pis hein, on essaiera. Non, tu vas pas dormir, fais un test de grossesse d'abord. Mais les papas là ils tirent à blanc ou quoi? C'est pas possible. Bah, vous voyez, elle est même pas enceinte. Bon, vous savez quoi? Je vais tricher sur ses besoins parce que là, c'est bon. J'en peux plus. Oh là là, j'ai laissé mes enfants seuls. Bon, après, comme je dis, hein, c'est mon 30 baby challenge. Je fais ce que je veux, quoi. Du moment que mes enfants, ils grandissent bien. Peu importe, tout ce que je veux, c'est une bonne séance de craquer. Il a dit, ils sont fous d'avoir un enfant avec nous. La seule chose qu'il veut de nous, c'est faire crac crac. Pourquoi il n'y a pas l'interaction faire un bébé? Je comprends pas en fait. Ça m'énerve. Tout à l'heure, il y avait, non? Et là, je suis désespérée, les gars. Je suis désespérée. Réponse à la ok, oui, c'est le moment idéal pour faire. Il est sérieux, lui. Il nous a vraiment que pour ça, quoi. A few moments later. Allez, vas-y, s'il te plaît. Là, normalement, tu peux tomber enceinte avec Romain, là. S'il te plaît, s'il te plaît. On va continuer jusqu'à ce que tu tombes enceinte, ma chérie. T'inquiète pas. Cette baignoire là, enfin, cette douche. Là, elle a été baptisée. Les notes sont en haut. Ils ont déjà un A. Mais c'est trop bien. Faire un test de grossesse. Allez, va faire un test de grossesse. Tu me déranges. Elle est pas enceinte. Wow, oh, oh. Bianca, t'es stérile ou quoi là? Franchement, je comprends rien là. Il a refusé. Bref, vous savez quoi? On va rentrer, c'est bon. J'en ai marre. J'en peux plus. Et lui, pourquoi j'ai plus de roses avec lui en fait? Je comprends pas là. Il est blessé, mais blessé par rapport à quoi? Mais qu'est-ce que je t'ai fait moi pour que je puisse te blesser? Il est bizarre lui. Il s'invente des vies lui. Hein. Bref, rentrons à la maison, c'est mieux. Ça y est, on est arrivé à la maison. Les enfants, ils sont en PLS. Ils ont faim, ils ont soif. Oh là là, regardez-moi ses besoins. Bon, lui, à la rigueur, ça va. Il est plutôt bien. Mais pff, là, vraiment, je suis vénère. Les reluquins, on fera ça seulement à l'épisode prochain. Là, vraiment, je suis vénère. Je suis déçue, là, de Bianca. Bianca, tu m'as déçue. Et lui, là, il est en train de danser. Je sais pas comment. Non. Allez, mon chéri, maman, elle va te faire dormir. Je suis désolée, je t'ai laissé tout seul aujourd'hui avec tes frères. Maman, elle va reprendre son rôle, hein. Non, regarde comment ils sont trop mignons. Ils sont trop choux. Ah. Eh bien, écoutez, mes cocos, c'est sur ce que nous allons nous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, malgré que Bianca n'a pas pu tomber enceinte, je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'elle est stérile, peut-être qu'elle ne l'est pas. Ou peut-être c'est les papas qui sont stériles, hein. Peut-être que c'est pas le problème. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu sous cette vidéo, à commenter et à t'abonner parce que ça me fait toujours super plaisir. Et nous, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bye bye.